Dans cette vidéo, on va mettre en application le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes avec ce petit exemple. Donc trois fonctions, f de x, g de x et h de x, et leur représentation graphique sur la gauche, ici. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que f de x est systématiquement en dessous de g de x, qui elle-même est systématiquement en dessous de h de x. Donc déjà, on peut les classer. On peut dire que f de x est inférieur ou égal à g de x, qui est inférieur ou égal à h de x. Donc là, si par exemple, on prend un, pour bien s'en convaincre, hein, je prends n'importe quelle abscisse, d'accord, celle-là par exemple. Donc je m'aperçois que ce point-là, f de x, est bien plus petit que g de x, ou que h de x pour cette valeur d'abscisse, d'accord? Donc ça c'est une chose, et du coup on peut aussi classer les fonctions. Donc je peux très bien aussi réécrire directement les fonctions en mettant que 2 fois racine de x moins 1 moins 1 c'est inférieur ou égal à g de x. Donc x carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 2 qui est inférieur ou égal à exponentielle de x moins 2. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, à calculer la limite quand x tend vers 2 de cette fonction x carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 2. Si je te demande de calculer cette limite, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a un souci, c'est que pour x égale 2, on obtient un dénominateur qui vaut 2 moins 2 égale 0, donc un dénominateur nul. Et ça, c'est pas possible. Donc il va falloir transformer cette fonction-là pour trouver sa limite. On l'a déjà fait dans certaines vidéos que tu as peut-être vues. Ici, grâce au théorème des gendarmes, en fait, on peut faire autrement. Sans même toucher à cette fonction, on a réussi à l'encadrer. On a réussi à trouver une fonction qui est tout le temps plus petite et une fonction qui est tout le temps plus grande. Donc regardons ce que vaut la limite de cette fonction puis de cette fonction quand x tend vers 2. Eh bien, la limite quand x tend vers 2 de la fonction la plus petite, c'est-à-dire 2 racine de x moins 1 moins 1, est égal à. Bon, bah si x égale 2, ça fait 2 moins 1, 1. Racine de 1, ça vaut 1. 2 fois 1, ça vaut 2. 2 moins 1, vaut 1. Maintenant, la limite quand x tend vers 2 de la fonction la plus grande, exponentielle de x moins 2, eh bien ça vaut quoi? Si x vaut 2, eh bien alors on a 2 moins 2, c'est-à-dire 0, et exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc on s'aperçoit que la limite quand x tend vers 2 des deux fonctions qui encadrent la fonction centrale, leur limite vaut 1 chacun. Du coup, par le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 3x plus 2 divisé par x moins 2 est égal à 1, comme ses voisines. On le voit aussi sur le graphe. Quand x tend vers 2, donc on est à ce niveau-là, en x égale 2, et bien pour x égale 2, on s'aperçoit qu'effectivement, les valeurs des trois fonctions sont les mêmes. Les trois courbes se rejoignent en x égale 2 et se rejoignent à l'ordonnée 1. C'est ce qu'on a vu aussi ici.